Merci beaucoup à Ali et Jacques de m'avoir convié à cette entrevue. Ça va me permettre de vous présenter un projet qui m'occupe depuis mars dernier. Donc ce projet, si le projecteur démarre, c'est celui de préparer une course qui s'appelle le 4L Trophy. Donc voici Run for Life, c'est le projet du coup. Donc nous sommes deux étudiants à travailler sur ce projet. Un étudiant, donc Johan, qui est mon coéquipier, qui n'a pas pu se rendre ici ce soir, qui est à l'INSA de Strasbourg, et moi-même qui étudie à l'ITEM, qui est une formation de centrale d'échange. Le projet du 4L Trophy, c'est très connu, je vais quand même le rappeler très rapidement. Le 4L Trophy, c'est un raid étudiant, avec 100% d'étudiants, qui existe depuis 1997, déjà. Aujourd'hui, chaque année, ça rassemble 2000 équipages, donc 4000 étudiants, qui partent de Biarritz, donc qui est le départ officiel, pour traverser l'Espagne, puis se rendre au Maroc, donc passer à Marrakech, puis... Le trajet change tous les ans. Donc c'est un événement sportif, un des plus gros événements sportifs étudiants d'Europe. Donc c'est 2000 équipages parcourent 6000 km aux alentours de février. Donc cette fois-ci, en 2018, ça se passera du 15 au 25 février. Et un des majeurs points au sujet du 4L Trophy, c'est que ça a surtout une portée solidaire, en fait. L'objectif est de rapporter un maximum de matériel scolaire, sportif et médical aux enfants du désert. Donc, puisqu'on va passer dans le Sahara. Et chaque année, c'est par exemple 80 tonnes de matériel scolaire qui sont apportées aux enfants dans le désert. Donc ici, vous pouvez voir qu'on ne part pas de Biarritz, nous. On va partir de notre campagne qui est la Champagne-Ardenne. Donc vous imaginez que tout ça a un coût, ça représente 8 600 € de budget environ. Donc c'est énorme, et pour trouver cet argent, mon coéquipier, on s'est lancé dans un défi, qui est de récolter tout ça uniquement en bitcoin ou en crypto. Donc aujourd'hui, on a déjà lancé depuis 33 jours une campagne de financement participatif sur notre site internet, coinsforlife.fr. On a 15% du budget qui a été rassemblé, donc il reste encore 27 jours. Et encore beaucoup de travail. Pour rappel, le 4L Trophy, ça se passe dans une 4L, justement. Notre 4L, on l'a acheté en avril. Et en assez piteux état. Donc on a eu déjà beaucoup de travail. On a beaucoup travaillé sur la restauration de cette voiture. Beaucoup d'amour et de graisse, pas beaucoup de travail. On a fait l'embrayage, la boîte de vitesse, enfin énormément de travaux mécaniques. Et maintenant, voici le temps de récolter de l'argent pour pouvoir partir. Donc pourquoi Bitcoin, en fait, pourquoi ce choix de récolter cet argent avec cette monnaie? Mais c'est avant tout pour innover, puisque aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est 2000 équipages qui partent chaque année. Et donc c'est 2000 équipages qui, en général, ont le même plan de projet, qui vont donc récolter des sponsors de manière classique. Et on a voulu faire notre 4L Trophy se lançant ce défi de récolter cet argent Bitcoin. Pour contribuer au mouvement, du coup, pour montrer que cette monnaie est une monnaie dynamique, qui est capable du mieux, qui n'est pas une monnaie purement spéculative, mais qui est adaptée vraiment à toutes les utilisations, qui est une vraie monnaie. Ouais. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon cocktail et une très bonne soirée. Merci Alexis. Le cercle du coin s'est inscrit parmi les sponsors de 4L Trophy. Donc si vous avez des petites de la menu monnaie en Bitcoin ou en Bitcoin Cash, n'hésitez pas. Avec cet aventureux.
Il n'a pas pensé au bas de cuillère, d'accord. Si vous le voulez bien, on va descendre d'un étage. Et... c'est des contreparties aussi, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire sur leur site, parce qu'il y a des contreparties, il y a le nom sur la voiture, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. En fait, du coup, pour pouvoir tracer ces transactions, pour pouvoir récupérer, enfin, pouvoir assurer qu'il y a une transaction qui a été faite, il y a un wallet qui est créé à chaque transaction. Et donc c'est pour ça qu'on utilise un système tiers qui s'appelle PenPayment. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour sur le site pour avoir plus d'informations. Ricardo, tu peux avoir ton nom sur une 4L qui traverse le désert marocain pour très peu d'argent, tu sais. Franchement, là tu ferais la différence auprès de tes collègues. Et si vous le voulez bien, on va descendre d'un étage et il y a un petit apéritif qui est offert par Maltem et le Cercle du Col. À la vôtre. Merci aux intervenants encore une fois.